Oui, Overspace. Oh, oh, Overspace. Où es-tu? Ah, j'arrive. Oh, oh, je ne te vois pas, je suis dans la grande salle. J'entends des voix. Tu es devenu un... J'ai une énorme surprise. J'ai une énorme surprise quand tu vas arriver, regarde-moi. Oh, oh. Quoi? Au secours! Avada Kedavra! Avada Kedavra! C'était la récompense, enfin c'est pas la récompense, c'était un des secrets dans la maison de Malfoy. Donc bonjour à vous, d'abord, oui. Overspace, bonjour à l'auditoire du côté de d'Overspace. Bonsoir. Oui, donc bon. Là je revenais du manoir de Malfoy, Overspace. Ah bien. Parce que j'avais une quête que toi tu ne pouvais pas faire malheureusement. Non. Qui était d'apporter 5 items maléfiques au Malfoy. Enfin, okay. Qui était planqué chez eux et qu'il fallait que je récupère. Et il y avait un passage secret que j'ai découvert où j'ai trouvé cette magnifique tunique de Mangemort. Oh là là. Cachée dans une étagère, voilà, avec un petit peu de gnôle. Mais je crois que, si tu le veux, je pense que tu ne voudras pas. Je crois que j'en ai plusieurs. Je crois que je peux en virer une. Voilà. Est-ce que je peux le dropper? Put item on the ground. Voilà. Voilà. Oh mon dieu. Bah, si tu veux avoir un masque. Oh. Ouais. Ok. Et donc là, comment ça marche? Oh, Overspace. Quoi? J'ai une paire de lunettes si tu veux aussi. Ah ouais? Ouais. Ah, j'ai les... Oui, non, mais ça, tu l'as aussi. Tiens, j'ai une Dark Cloak en plus pour toi. Si tu veux vraiment te faire le truc mange-mort. Ah oui, d'accord. Voilà, je te convertis un petit peu au secte étrange du monde d'Harry Potter. Dis donc, ouais, c'est normal de faire ça. Oui, oui. Après, il y a un petit rituel. Tu vas venir avec moi dans une petite salle sombre. Je vais te montrer. Eh bien, équipons-nous de ça. Oh là là, incroyable. Est-ce que... Oh. Oh là là. Incroyable. J'ai vu que j'avais un crâne. Un crâne. dans mon sac à dos, pourquoi pas, voilà. Ça te fait un petit look gothique, c'est super, c'est très edgy. Moi je suis emo, moi, tu vois. Moi, je suis un mec emo. Moi, j'écoute du Blink 182, moi, tu vois. Quand on s'était quitté, Overspace, nous avons terminé le jeu. Terminé l'aventure principale, en on tout cas. On a fait top 1 dans Poudlard. On a fait top 1 dans Poudlard. Et donc, on s'était dit qu'on allait faire les quêtes secondaires qu'on avait à faire, du coup. Et ouais, histoire alors, de prolonger l'aventure. Je t'avoue que moi, j'en ai pas trouvé d'autres. Bah, là, il y a celle qu'on a déjà de trouver la salle sur demande. Overspace, oui. Là, il y a Ruzard avec un point d'exclamation. Alors, je pense soit que tu es aveugle, soit que tu émets beaucoup de mauvaise volonté. Alors, déjà, c'est un point d'interrogation et non d'exclamation. Oui. Voilà. Je suis Argus Ruzard, le gardien de Hogwarts. Poudlard. Je suis syndiqué à la CGT. J'ai ma pause dans 10 minutes, donc dépêchez-vous. Alors, besoin d'aide? Est-ce que j'ai besoin d'avoir besoin d'aide? Je suis tout à fait capable de détecter des petits salopards. Non, c'est pas ça que je dis. Des troubles faits comme vous qui jouent des tours. Alors, ne vous moquez pas de moi, nanana, vous pouvez essayer, mais je ne serai pas facilement, comment dire, trompé. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Je veux juste vous aider. Oui. Ah ouais. Ma pause dans 5 minutes. Ah ouais, c'est Alors, d'un autre côté, donc il nous a dit, en gros, j'ai pas besoin d'aide. D'un autre côté, ça ne me ferait pas de mal de mettre un petit peu à côté mon boulot. Comme ça, je pourrais pointer regarder mon calendrier de RTT. Alors, comme punition. Ah bon? Ah oui, il veut nous punir, en fait. Sympa. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire? Après que Potter et le professeur Quirrell ont fini de tout défoncer dans la chambre des challenges, il y a quelques années, Dumbledore m'a chargé de ramener le miroir du Rized, du
C'est ça, du RZ, hein. Du RZ. Oui. À sa place appropriée. Mmh. Mais on est en quelle année? Je ne sais pas, on est dans une dimension alternative. maintenant, je passe cette tâche à toi, donc voilà. Faites ça. Ok, super. Ok, on le fera. Donc nous devons déplacer, trouver le miroir du RZ et le déplacer. Bon. Est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on fait... Floor corridor. Apparemment, il faut aller au troisième étage, qui était l'étage interdit. À moins que vous ne préfériez mourir dans d'atroces souffrances. Allez, c'est parti, le troisième étage. C'est là, par là. C'est des grands étages, normalement, à Poudlard. Up, encore au-dessus. Très bien. Ok. Donc, sachant que, normalement, il y a 10 étages dans Poudlard, dont 7 accessibles depuis les escaliers qui bougent. D'accord. Oh, il y a une quête aussi, ici. Oh. Est-ce que je peux t'aider? T'as besoin d'aide? Ok, je veux ma récompense. Ah, d'accord. Ok. Je vais remettre quand même... la bonne quête. On fait quoi du coup? On fait miroir over du RZ? Ouais, ouais, je pense, hein. The room, machin, miroir of RZ. Voilà, c'est bon. Ok. Je crois que c'est ce truc-là, là-bas. Oh. Mais comment y accéder? Ah, il faut monter et descendre. Ah ouais. Ah, c'est complexe. Headmaster, donc ça, c'est chez Dumbledore. On va lui fermer d'ailleurs son escalier parce que le pauvre... Ouais. Il faut pas qu'on le voit dans cet état, sinon ils vont l'expulser. Puis il est en 4... Ah, on est trop haut. Oh mince. C'est une blague. Oh. Ok, donc là c'est ici. Oh mon dieu. Ok. 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 Normalement on va avoir besoin d'un halo mora, je pense. Si c'est comme dans les contes et légendes. Ah oui, c'est vrai. Et il va y avoir le Cerberus du coup. Il va y avoir Toufu, ouais. Ok. Ah, oh. Ah non, il y a déjà direct la trappe ouverte. Oh, regardez, il y a un piano, c'est pas une harpe, c'est un piano. Ah. Ok. Je saute. Je t'accompagne. Ah. Où est-ce qu'on est? Aïe. Oh mince. Lumos Maxima. Oh. Oh. Comment se passe-tu là? Ok. Bonjour. Allô. Pas qu'on se fasse remarquer. Chut. Mais on est censé tomber dans les filets du diable. Mais là, je pense qu'ils ont fané les filets du diable. J'ai pris à gauche. Je descends, hein. Je fonce tête baissée, mais... Je crois qu'on s'est perdu. Non. On se passe. J'ai pris à gauche, non, à un moment donné, je ne fais pas confiance en mon choix tactique. Ah, moi j'ai pris à droite. Oh, t'as bien fait, je pense, je suis dans un cul-de-sac. Ah oui. Ou une fesse de sac, pardon. Pour être poli. Un fondement de sac. Voilà. On se passe, t'es tombé? Oui. Ah oui, je suis au même trou que toi. Oh. Oh mon dieu. Allô, Mora? Ouais. Allô, Mora. Ok. Oh mon dieu, cette musique. Oh non, les clés. Oh, oh. Il faut trouver celle qui est la plus grosse et la plus rouillée. Oh, il y a des balais. C'est des bus mobiles. Wow, ça paye bien finalement les frais scolaires là. Ah oui, c'est vrai, il y a un truc avec la molette pour monter. C'est ça. Mais je crois que je l'ai trouvé la clé. Je l'ai trouvé. C'est vrai. Je suis un attrapeur de folie. Mais comment on fait pour monter? En regardant vers le haut. Elle est là. Ça ne monte pas. Ah. Ah si, c'est bon. Ok. Elle est là. Oh. Oh. C'est laquelle? La boucle, elle est jaune. Ah, elle est jaune. Elle est juste ici. Oui, je l'ai. J'arrive pas à l'attraper. Je l'ai. On se passe. Tu l'as attrapé? Oui. Oh. Oh là là, qui est doué. Je suis un attrapeur. Waouh. Ok. Oh non. On va pas jouer aux échecs. Oh là là. Oh okay. Non. Arrête. Et si on activait juste les leviers, non? Je crois que c'est pour reset ou un truc comme ça, non? Un, lancer la partie. 2, 3. Ah non, ah. D'accord. D'accord. Donc on a un pion, ça c'est simplement pour déplacer correctement les pions. On a un pion, un fou et une tour. Et un cheval, un cavalier.
Ok. Mais ils sont tous noirs pour moi, donc comment repérer les noirs des blancs? En fait, on doit mettre le cube de la tour au niveau du pilier de la tour. Ah d'accord, ok, ok. Donc c'est les échecs pour... Échec version grenade, quoi. Alors, attends, très bien. Est-ce qu'il faudrait pas... Oh mon dieu, mais attends, mais... À quel moment on est censé attirer un bloc, là, quelque part? Là, je vois pas de moyen de tirer le bloc. Si, si, il y a juste... non, je vois pas. Est-ce que ça attire ou ça pousse aussi? Ah, c'est une bonne idée. Non, ça attire. Ah, mais voilà, j'ai attiré là les... Ah, mais on peut les attirer les uns les autres comme ça. Oui, oui. Ah, alors ok, je vais déjà mettre les cavaliers en place. Ok, les cavaliers sont rangés. Le fou doit aller... Le fou doit aller... D'accord, ici. Là où il y a le pion, ici, là. D'accord. Donc je vais enlever le pion. Ouais. Allez. Okay. Donc je vais désactiver ça. Bien joué. Et je vais prendre le fou ici. Donc là, le fou sera bien placé. Voilà, on a bien placé le fou et le cavalier. Maintenant, il faut intervertir la tour. Ah. Et le pion. Donc là, j'ai bloqué le fou qui ne peut plus bouger. Voilà. Ah, ça y est, j'ai compris. La tour. Il faut la mettre là. Ici. Ici. Ouais, mais tu vas bouger le cheval du coup. Ah oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ensuite, là, il faut attirer ça comme ça. Ok. Voilà. Ça ici. Ensuite, voilà. Et alors après, que faire quand on est ici? C'est là, parce que là du coup, il n'y a rien pour bouger la tour. Le pion. Ah ouais, non. Ah mais si, le pion, il faut le déplacer comme ça là. Avec le cavalier. Ensuite. Oui, mais la tour, elle est quand même bloquée en fait. La tour pour l'instant est bloquée. Pour l'instant. Pour l'instant. Ah, c'est chaud là. Hein. Ouais. Moi je dirais, il faut quand même mettre ça ici. Oui. Elle a tiré là. Voilà. Oh. Oula. Ah non, c'est pas là. Pardon. C'est pas ici. C'est ça. Et voilà. Donc là, on peut mettre le pion. Le pion, exact. Je crois, en fait, que... On va devoir les faire tourner, en fait. C'est surtout ça, c'est l'ordre qui est important. Ouais, 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 ouais. Et c'est pour ça qu'il y a un truc au milieu, c'est pour pouvoir les faire tourner dans, et choisir le bon ordre. Okay. Parce qu'après, on peut pas Donc là, malheureusement, on va devoir faire ça. Donc, si on commence par le fou, ce qui doit venir avant le fou, c'est le pion. Donc là, le cheval... Tu peux l'attirer vers la tour. Tu peux l'attirer ici, là, vas-y. Ouais. Donc le pion, je l'attire. Ouais. Après le pion, c'est le cheval. Donc là, c'est bon. Le cheval, on peut le remettre là. Attention, tu ne peux pas écraser. Et ensuite, c'est la tour. Alors attends, je vais décaler le fou... Ok, ensuite je décale le pion. Voilà. Je décale le cheval. J'ai la tour qui est ici. Et bah parfait. Donc là on a juste à leur faire tourner. Maintenant il n'y a plus qu'à leur faire un tour complet. Alors, sachant qu'il faut d'abord placer. Quoi? Oui, on peut le faire venir. Voilà. Ok, ensuite le pion, je l'enlève de là où il est. Hein, le cheval, je le fais bouger. Et ensuite, la tour aussi, il faut qu'elle bouge. Mais attends, il faut désactiver ça. Non. Là, voilà. Ah, attends. Non, non, c'est attends, ça. Avant d'activer. Attends, avant d'activer la chaîne, là. Vas-y. Ah non, je crois que j'ai fait n'importe quoi. Pourquoi? Ah, j'ai fait n'importe quoi, je crois. Bon, vas-y. Je crois que c'est moi qui ai fait un peu n'importe quoi. Ah non, c'est bon. Non, c'est dans le bon ordre, là. Bah ouais, c'est bon.
Mais le truc, c'est que là, je vais attirer les deux en même temps. Là. Ah non, parfait. Ah si, c'est ça. Mais c'est pas grave. Parce qu'après, tu peux activer ça. Verrouiller la tour. Faire venir le fou. Juste ouais, le fou. C'est ça. Voilà. La musique sera active parce qu'ils nous disent qu'on prend beaucoup trop de temps pour ce puzzle beaucoup trop simple. Ok, donc là le cheval, tu peux le cavalier pardon. Et ensuite la tour. La tour est au bon endroit, le fou sera au bon endroit et c'est bon. Voilà. Je mets. Incroyable. Le fou. Incroyable. Non. Ah mince. Attends, il faut verrouiller. Ouais ouais. Non. Attends. Il faut verrouiller. Faut verrouiller, oui, c'est bon. Y'a Toufu qui s'énerve. Ok, c'est bon. Incroyable. Oh, espèce. On a réussi. Oui. Ok. Ok. Oh, il fait un Alomora. Ok. Oh. Quoi? Oh. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Des archers. Le déguisement de Mangeborn ne marche pas. Allez. Ils savent quand même qu'on est des étudiants. Mais quoi, il y a un troll des cavernes. Ah bon? Oui. Où ça? En contrebas. Attends, je vais faire un bombarda maxima, mince. Bombarda maxima. Tu vises très mal. Mais non, mais c'est pas sur lui que je faisais. Ok, lui il est mort. La regarde en contrebas. Oh mon dieu, oui. Oh! Est-ce qu'il est méchant? Mais non, mais on sait pas s'il est méchant, tout le cul! C'est un psychopathe! Mais si, il est méchant! Non! Mais si! Il est tout gentil! Ah, mais de toute façon, c'est un kibéreur, donc il a la clé. Mais voilà! Oui, mais quand même! Je le trouve extrêmement. Entreprenant! Allez! Oh! Je suis pris de malin, il m'a pris dans un mur, je vais mourir. Oh. Mais est-ce que ce serait pas Grumpy, là, ou je sais pas comment il s'appelle? Non, c'est pas Groupe. Ah, Groupe, ouais. J'ai l'impression qu'il a la même tête, quand même. Hein. C'est pas un géant, c'est juste un troll. Je crois que c'est un géant. Je sais pas. Je n'ai plus de mana. Est-ce qu'il y a une fontaine de mana, quelque part? Ah, moi non plus. Ah si, j'ai une potion. Ok. Oui. T'as récupéré la clé? Oui, j'ai récupéré la clé. Ok. J'ai pas voulu te le dire parce que sinon t'allais dire encore « Oh, tu lootes tout !» Ok. C'est bon. Non, j'ai pas la clé, c'est toi qui l'as. Ah. Ça a bugué. Oh. Oh. Oh mon dieu. Ah, il y a des arrêtés. Oh non, c'est l'énigme. Oh, espèce. Oh non. Je pense qu'il va falloir qu'on mette un terme à cet épisode et on fera cette énigme qui n'était pas dans les films d'ailleurs, mais qui est dans les livres. Exactement. Dans un prochain épisode, je te laisse conclure. Eh bien, écoutez, j'espère que cet épisode riche en rebondissements vous aura plu. J'espère que c'était bien sa petite épopée chez les Malfoy. D'ici le prochain épisode, portez-vous bien comme dit l'autre et gardez votre swag. Allez. Bye!